いでよ体操第一、よーい、ドン、全力疾走。いきなり走るのかよ。おい待てよ。もっと早く。私の勝ちだ。Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Ben. Salut Julien. Ben, aujourd'hui, tu nous montres quoi ? Alors aujourd'hui, je vous montre un Superplay de Green Beret. Green Beret, vieux jeu d'arcade. Connu en France aussi sous le nom de Russian Attack. Ouais, pour ceux qui connaissent je crois que la version NES. Je crois que c'était la version aussi aux États-Unis. Oui. Enfin, c'était Green Beret, c'est la version japonaise et c'est vrai qu'il s'est exporté sous un autre nom, voilà. de Russian Attack, c'est vrai. Voilà, donc moi je le connaissais sous Russian Attack avant que tu m'en parles un peu plus. Donc là tu fais quoi concrètement sur cette partie ? Alors bah là l'objectif c'est de bloquer le compteur. Donc c'est un super play de scoring. Hein, ouais. L'objectif c'est vraiment de rechercher toutes les méthodes possibles pour optimiser son score. Bien qu'il n'y ait pas officiellement un record mondial, puisque en fait pour tous les jeux où on bloque les compteurs, il n'y a pas de record officiel. Ouais, en fait, Arcadia n'officialise pas les records où on bloque les compteurs. Mais bon, donc voilà, là, l'objectif, c'est d'aller au bout du compteur. Donc le compteur bloque à 1 million, enfin à 999 990. D'accord. 999 d'ailleurs, je crois. Parce que je crois qu'au moment où le compteur bloque... Il y a des unités aussi. Oui, des unités qui se bloquent. Oh, on va vérifier, mais il me semble que c'est assez étonnant. Mais... Ouais, d'accord. Donc le truc, c'est qu'on peut pas bloquer le compteur en terminant juste le jeu. Non. C'est un jeu à l'ancienne avec des loops. Voilà, exactement. Des tours comme ça, de jeu. Comme tous les jeux d'arcade de l'époque, les jeux étaient relativement courts, hein, forcément. Ouais. Enfin, plus courts que les jeux d'arcade qui sont sortis quelques années après. Là, à titre d'exemple, un loop, ça dure combien de temps là ? Ben, un loop, c'est 4 stages, et on va dire 4 stages, tu peux les faire, je pense, si tu te précipites vraiment, en 10 minutes, quoi. D'accord. Un quart d'heure, si tu joues à une vitesse correcte. Parce que là, on vient... Voilà, on va même passer le stage. Ouais, non, on a déjà fini le premier stage. D'accord. Mais bon, c'est intense, quoi. C'est relativement intense, ouais. Peut-être pas dans le premier ou dans le deuxième niveau, parce que là, on voit en fait que je tue des ennemis qui arrivent relativement lentement pour le moment et qui n'ont pas, on va dire, qui sont pas forcément armés. Enfin, là, on voit... un soldat avec une mitraillette derrière, mais bon, comme on est au début du jeu, au premier loop, mm-hmm. il tire pas beaucoup, l'intensité est pas énorme sur les premiers niveaux, on va dire. Sur les 2-3 premiers stages, ça va. Bon, déjà, le quatrième stage, le dernier stage du jeu, là, c'est déjà beaucoup plus chaud, on va le voir après. Mais donc là, pour le moment, bah voilà quoi. D'accord, ça veut dire que dans les tours de jeu suivants, la difficulté va monter. Ouais, va monter, notamment avec de nouveaux ennemis. Et surtout des ennemis qui vont être beaucoup plus agressifs, notamment ceux qui sont armés. Puisque là, pour le moment, on voit bien que les ennemis qui sont armés, ils tirent pas. Ouais. Donc ils sont juste là un peu pour te mettre sous pression. Ouais. Là, on voit que... Voilà, ceux qui arrivent de derrière, là. Voilà. Disons que celui qui arrive de derrière, il peut se mettre à tirer, mais faut vraiment aller vers la droite, si tu veux. Ouais, il faut vraiment qu'il te suive. S'il te suit, au bout d'un moment, il va décider de tirer. Mais bon, pour le moment, il tire pas une cadence... rapide, on va dire. Alors que dans les loops plus élevés, on voit tout de suite que dès leur apparition, souvent ils tirent assez vite. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de sortes d'ennemis, hein, bien différents. Donc là, on voit des soldats qui font rien de spécial, qui courent simplement vers toi. Donc là, on a vu les soldats qui ont une mitraillette, là, qui arrivent toujours par derrière. Ouais. Donc ensuite, bon, on a un soldat là qui arrive avec une sorte de lance-roquette, là, un bazooka. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ennemi ? On a des lanceurs de grenades, je crois qu'il y en a un là, voilà. Donc là on a des mines aussi, qu'on peut détruire avec les armes. Alors c'est vrai que la grosse partie du jeu pour scorer, c'est justement l'utilisation des armes. Ouais. Hein, on peut récupérer. On voit que tu t'envoies ton missile souvent de la gauche de l'écran et ça balaye plein d'ennemis. Voilà, plein d'ennemis, l'objectif c'est de détruire le plus d'ennemis possible. Avec une arme. Donc des armes, en fait, il y en a trois différentes dans le jeu. Il y a un lance-flamme, un lance-roquette et un lance-grenade, voilà, qu'on va voir, qu'on n'a pas encore vu, là, qu'on verra en premier dans le stage 3.
Donc quand on utilise bien ces armes-là, bah, c'est vrai qu'on peut facilement scorer, puisque bon, faut savoir que la plupart des ennemis dans le jeu valent 200 points. Enfin, je dis la plupart, il y en a qui valent un peu plus, il y en a qui valent 300 points par exemple. Les porteurs d'armes, ceux qui te donnent une arme, en fait, ils valent 300 points. Mais il faut savoir que quand on fait donc, une sorte de combo, quand on arrive à tuer plusieurs ennemis avec la même arme, avec un coup de lance-flamme ou une roquette, eh bien le premier ennemi vaut 350 points, le second vaut 50 points de plus, donc il vaut 400. Ouais. S'il y en a un troisième, il va avoir 50 points de plus, ça fait 450, et ainsi de suite. Donc tu vois, si on détruit une série de, voilà, de 4, 5 ennemis, ça devient intéressant. 6, je le fais peut-être une fois ou deux dans le jeu, mais c'est très très rare, c'est plutôt entre 3 et 5. Il faut les laisser venir, quoi. Voilà, il faut les laisser venir, il faut bien connaître le pattern du jeu. Alors, il faut bien faire la différence entre les vagues d'ennemis là, qui arrivent. Là, par exemple, on voit qu'il y a... Il y a toujours des ennemis en continu. Il y a une vague d'ennemis qui arrive par 3, là, comme ça, à chaque fois. Et type, voilà, brun. Là. Et voilà, il y a aussi donc, ceux qui arrivent par derrière, là, les mitrailleuses. Les soldats orange là, et jaune, là, enfin orange et bleu, pardon. Et donc ceux-là arrivent par vague. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai tués, bon, bah, tu peux être sûr que là, par exemple, j'en ai tué 3, ils vont revenir, voilà, peut-être deux secondes après. D'accord. Donc il y a des vagues d'ennemis qui arrivent de manière constante, et puis il y a aussi des ennemis qui sont là de manière fixe. C'est-à-dire, par exemple, lui, là, l'ennemi qui est accroupi, il arrive toujours là, à cet endroit-là du jeu. Toujours. D'accord. De même que on va en voir après, hein, d'autres ennemis qui arrivent. Donc, c'est pas totalement aléatoire. Non, voilà, par exemple, là, on voit le lance-grenade, ouais. Hein, le lanceur de grenade. Bon, bah, lui, il est toujours là, à cet endroit-là. D'accord. Le porteur d'armes, là, qui va me donner une grenade, c'est pareil, il est toujours là. Là, par exemple, on voit un ennemi qui saute. Moi, ce que je les appelle les karatékas, parce qu'ils font une sorte de hippon. Et bah, ces ennemis-là, c'est pareil, ils arrivent toujours au même moment, au même endroit. D'accord. Donc pour l'instant, on voit que dans la vague d'ennemis, ils arrivent par 3, et bon, bah, c'est des soldats qui sont pas très très dangereux, hein, puisque voilà, ils sont pas armés, ils te tirent pas dessus, ils changent pas de direction, ils montent pas à l'échelle par exemple, alors qu'au contraire, ceux qui sont armés, eux, ils te suivent. Donc un premier loop, bon là on est déjà au stage 3, bon c'est un petit peu plus coriace, mais c'est pas encore trop dangereux. Quoi. On va déjà dans le stage 4, c'est un peu plus chaud. Comme souvent, voir une partie comme ça qui est bien exécutée, on n'a pas l'impression que c'est dur. Quoi. Enfin... On n'a pas l'impression, non. C'est vrai que bon là on voit déjà avec les karatékas, là, quand on en a deux de suite, là déjà il faut faire attention. Ah, ouais. Là on a eu des lanceurs de grenades, bon là c'est parce que je suis armé, c'est ça aussi qui est très très important dans ce jeu-là, c'est de très bien gérer ses armes. Ouais. C'est-à-dire que le lance-flamme et les grenades, on a 3 munitions à chaque fois. Mm-hmm. Le lance-roquette, on en a 4, donc déjà, ça c'est intéressant. Ouais. Et le plus important, c'est d'être capable de les gérer par rapport à l'endroit où on est dans le jeu. Hein, faut vraiment pas se précipiter. Mm-hmm. Là, par exemple, on voit que j'aurais pu utiliser le lance-flamme pour détruire la mine, pour éviter de sauter au-dessus, mais ça ne sert à rien parce que la mine, c'est le seul objet, le seul item dans le jeu qui ramène pas de points. Il vaut 0 points. D'accord. Même quand il est dans une chaîne, voilà, il fait même, pas plus 50, même quand on l'utilise avec une arme, avec des soldats qui vont être détruits en même temps, il vaut 0 points. D'accord. Donc la mine vaut 0 points. Ça, c'est une constante du jeu. Donc là, on voit, là, c'est un porteur d'armes. Là, voilà. Donc là, il me laisse lance-roquette. Donc là, on voit d'ailleurs les 4 munitions. Enfin, maintenant, oui. plus de 3. Ouais. Donc tu t'arranges toujours pour enchaîner les armes les unes après les autres, quoi, pour pas avoir trop de temps mort juste avec le couteau ou pas de points. Voilà, j'essaye vraiment de garder mon arme jusqu'à la prochaine arme, à la limite. Mmh. Bon, là, on voit que je termine ma dernière munition, parce que là, on arrive au boss, donc au boss du troisième niveau. Mmh. Et en fait, que je le détruise au couteau ou avec un lance-roquette, c'est toujours le même nombre de points. C'est D'accord. assez risible d'ailleurs, parce que c'est 40 points par hélicoptère. Donc, c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. C'est presque symbolique. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, on arrive au quatrième stage. Déjà le quatrième, donc là, voilà, ça a presque fait tout le jeu. Quoi. Ouais, ça passe assez vite. Donc avec des décors qui varient un petit peu. Là, on voit quand même pas mal de plateformes, pas mal d'échelles. Mm-hmm. Donc là, je reste vraiment... au maximum au sol, quoi. Ouais, au maximum au sol. Pour le moment, après on verra dans les loops, dans un loop plus élevé que... C'est pour un maximum d'ennemis. Bah ouais, voilà. Dans un loop plus élevé, je vais plutôt en éviter. Je vais plutôt éviter beaucoup d'ennemis parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus chargé et que tous les ennemis sont beaucoup plus agressifs. Parlant d'agressivité, tu joues avec un auto-fire. Oui. Ça se voit, hein. Je suis pas encore assez rapide pour tirer aussi vite. Le derrière avec son couteau atomique. Là. Ouais. Puis si tu t'es sûr de finir avec des tendinites, hein, si tu veux faire une partie complète comme ça avec
tirant aussi vite. Ah ouais, mais en général, c'est ce que tu fais quoi, dans la plupart de. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je m'autorise ça tout simplement parce que moi, quand je prends un jeu, je me base toujours sur les records mondiaux. Mm-hmm. Et je m'aperçois toujours que sur les records mondiaux, souvent sur pas mal de jeux, les records sont faits avec un auto-fire. Enfin, des fois, les records sont officialisés de deux manières, avec un auto-fire et sans auto-fire. Ouais. D'ailleurs, on s'aperçoit toujours que souvent, surtout dans les shoot'em up, que le record sans auto-fire est toujours moins important. Ouais. Mais c'est vrai que dans les game centers au Japon, ils jouent beaucoup, ils battent souvent les records mondiaux. Avec l'autofire. D'accord. Donc je me permets ça parce que justement, je sais que c'est installé. C'est officialisé dans les records et dans les game centers. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Ouais. Je pense que déjà à la base on est c'est déjà assez fatigant. C'est déjà ouais. Et puis on est quand même déjà un peu moins fort que les Japonais hein, pour jouer au jeu. Et autant ne pas se priver. Des petits bonus quoi. Ouais. Mais bon, ça donne un côté assez rigolo au jeu, quoi. Ça dédramatise un peu. C'est sûr. Alors là, on voit un parachute, un parachutiste qui est atterri au sol et qui se transforme en karatéka, en fait. Quand on tue le soldat lorsqu'il est encore parachutiste, bon là évidemment on voit que je peux pas parce que il n'y a pas de plateforme supérieure. Mmh. Il vaut beaucoup plus de points quand on tue. Je crois qu'il vaut il vaut 450 points. Alors que quand il est au sol, il vaut 200 points en fait. D'accord. Voilà, donc là on arrive à un des endroits les plus durs du jeu, là, on approche de la fin du niveau. Il y a beaucoup de mines, beaucoup de lance-roquettes, donc là faut vraiment rester. Même le premier loop, il est pas. Faut bien rester concentré. Voilà, faut bien rester. Ouais, voilà. Quand tu connais bien le jeu, c'est juste de la concentration, mais faut faire quand même attention. Et là, tu as réservé ta roquette. Je réserve la roquette. Alors, la roquette, je l'utilise toujours en tirant vers le bas, puisque déjà, ça dégage les mines. Mm-hmm. Et puis, ça dégage aussi les ennemis qui sont accroupis. Oui, voilà. Là, on voit que j'ai pas bien compté, mais là, j'en avais 5 minimum hein, d'ennemis, peut-être même 6. Ouais. Donc là, jackpot. Ouais, jackpot. Hein, parce que le premier vaut 350, et après, c'est 50 points de plus par ennemi. Donc, c'est vraiment intéressant. Le grenade, là, que ça peut shooter aussi. Là, j'ai encore deux roquettes que je vais bien utiliser. Donc c'est vrai que le plus gros, la plus grosse phase de scoring, c'est quand même sur le premier loop, puisque c'est là que les ennemis sont les plus faciles à détruire. Mm-hmm. C'est là qu'on peut le plus facilement utiliser les armes. Pour faire du score. Ah ouais. Donc c'est vrai que là je vais par exemple finir le premier loop avec presque là, je suis à 220 000. Bon là, donc c'est vrai qu'on peut, on pourrait se dire vu qu'il faut arriver à 1 million pour bloquer le compteur, suffit de faire 4 fois le tour du jeu à peu près en gros, mais c'est pas le cas puisque par la suite on va voir que c'est beaucoup plus difficile de faire un score aussi important. Qu'est-ce qui t'empêche d'attendre que les vagues ennemies arrivent à l'infini? C'est une bonne question. C'est vrai que on pourrait très bien se dire je vais rester bloqué sur un endroit du jeu et puis je vais litcher comme un goré. Mais non, parce que le truc, c'est que en fait, si tu restes bloqué à un endroit précis du jeu, sans bouger, bon déjà dans un premier temps t'as un avion qui passe au-dessus de toi et qui te balance une bombe que tu peux éventuellement éviter mais qui est déjà très 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 dur. Et en plus t'as un temps limite par niveau, un temps limite qui est pas indiqué. Ouais, on voit rien. Hein. On voit rien. Il est pas du tout indiqué sur le jeu, mais au bout d'un moment t'as une petite sirène avec un hurry up qui est inscrit juste en dessous du high score et là on te prévient que il te reste plus que on va dire une dizaine ou une quinzaine de secondes quoi, parce que sinon tu meurs automatiquement. D'accord. Donc, et ça vaudrait pas le coup de litcher un peu comme ça toutes tes vies sur un niveau? Disons que les vies, je préfère les garder quand même en stock, quoi, parce qu'on sait jamais. C'est vraiment si dur que ça. Ouais, selon les. Là, pour l'instant, on le voit pas, mais selon les endroits du jeu où tu vas perdre une vie, tu peux très bien perdre 2-3 vies. C'est un peu comme un jeu comme R-Type, c'est-à-dire que si tu repars à poil à un endroit donné du jeu, parce qu'il faut savoir que quand on perd une vie, on repart à un endroit du jeu qui est un endroit un peu précédent, un checkpoint, mais à certains endroits du jeu, c'est vraiment essentiel d'avoir une arme. Oui. Sans cette arme, ça devient beaucoup plus difficile d'évoluer et de passer tranquillement. D'accord. Donc, évidemment, c'est pas comme R-Type, hein. C'est vrai qu'R-Type, il y a certains endroits du jeu, si on meurt, on est quasiment game over, quoi. Là, c'est pas le cas, mais c'est quand même assez compliqué sur certains endroits du jeu. Ouais, d'accord. Donc là, on voit que je suis reparti au premier niveau du
second loop. Hein. Mm-hmm. Et donc là, on voit que les vagues d'ennemis commencent à être modifiées. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit des séries de trois ennemis comme on voyait au premier loop. Voilà, mais donc des ennemis là, comme ceux-là, comme ceux qui arrivent, qui font rien de spécial. Et puis, une fois sur deux, on a une vague d'ennemis comme ça, là, des karatékas qui te sautent dessus. Et donc, ceux-là sont beaucoup plus compliqués à esquiver, parce que de deux choses l'une, soit il faut les tuer en sautant, mais bon, t'en as quand même trois à la suite, donc il faut quand même sauter et être sûr qu'en dessous, il n'y a rien, il n'y a pas une mine ou il n'y a pas un autre ennemi qui passe. Ou alors, la deuxième méthode, c'est de passer carrément en dessous d'eux, c'est-à-dire de continuer à courir pour qu'ils te sautent au-dessus. C'est possible, on peut le faire. Est-ce qu'on va le voir hein. Non, parce que là, en fait, c'est une vague sur deux, donc pour le moment, c'est pas encore trop c'est pas trop compliqué. En plus, le premier niveau, dans son architecture, est pas très compliqué, donc c'est assez facile de scorer. Mais sur les niveaux supérieurs, on va le voir, notamment au stage donc 7, parce que sur le suivant, on va peut-être le voir aussi. Mais il y a souvent des séries d'ennemis comme ça, où je me contente de courir, en fait. Disons que c'est plutôt eux qui me passent au-dessus, parce qu'ils me sautent dessus, en fait, et comme ils changent pas de direction... Donc toi, t'as bien conservé ton arme. Voilà, donc j'ai vraiment... Là, on voit que c'est intéressant, parce que là, c'est vrai que j'en détruis facilement. J'en tue facilement en 6, là. Et là, ils te sautent pas dessus, les karatékas qui sortent du camion ? Bah si, mais là, en fait, je leur laisse pas le temps, parce que il faut... Voilà, ils sautent au dernier moment. D'accord. Donc la difficulté va augmenter comment, là, au fur et à mesure des loops ? C'est les vagues d'ennemis, en fait. Là, on voit, par exemple, là, on est dans le deuxième loop, là, dans le premier niveau, donc dans le stage précédent, dans le stage 5, on avait une vague sur deux d'ennemis, c'était des karatékas, une vague sur deux d'ennemis, c'était des soldats, comme ça, qui arrivent, qui sont vraiment pas dangereux. Et progressivement, au fil des stages, on va s'apercevoir qu'il va y avoir de moins en moins de vagues d'ennemis comme ça, là, qui arrivent, et de plus en plus de karatékas. Pour arriver jusqu'au stage, donc, 11, à partir du stage 11. Donc au loop numéro 3, y a plus, donc toutes les vagues d'ennemis, c'est des karatékas. D'accord. Donc on n'a plus affaire à des ennemis comme ça. De temps en temps, il y en a un qui arrive, mais ça fait partie des ennemis qui sont fixes. Okay. C'est-à-dire qu'à certains endroits du jeu, il y a encore quelques ennemis comme ça qui arrivent et qui, quelque part, sont très chiants. Parce que comme on s'attend à toujours avoir la même vague d'ennemis, une fois de temps en temps, ça change un peu de rythme. Et d'accord. C'est un peu compliqué. En fait, il faut bien connaître, là par exemple, cet ennemi-là qui vient d'arriver, il arrive toujours à cet endroit-là du jeu, quel que soit le loop. Celui qui descendait de l'échelle, là ? Ouais. Non, celui qui est arrivé par le milieu de l'écran, qui est pas armé, en fait. Ouais. On voit un parachutiste, mais qui n'arrive pas jusqu'à la plateforme, donc malheureusement, je peux pas le tuer. Lâcher une roquette pour un parachute. Ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, donc là... Là, c'est essentiel, parce que non seulement je détruis les mines, ça permet de passer facilement. Voilà, donc là, à nouveau, un porteur de roquette. Alors là, en plus, on voit quand même qu'il tire le parachutiste. Donc, en s'approchant, c'est toujours un peu dangereux. Il tire plus qu'au loop 1 en plus. Hein, Ouais. Alors là, on voit que je conserve. Là, tu fais la bonne petite esquive. Ouais. Ben, je conserve tout simplement parce que derrière, je vais devoir. Là encore, hein, tu vois, j'aurais pu tirer, mais je conserve parce que je sais que derrière, il va y avoir des mines et un lanceur de roquettes qu'il faut absolument tuer. Là, on le voit d'ailleurs, il était à la limite du scrolling. Je l'ai eu quand même, et c'est vraiment important de le tuer parce que sinon, on peut pas passer par le dessus. Sinon, il vous balance une grenade. Mm-hmm. Et par en dessous, il faut bien le détruire. Et si on n'est pas armé, faut d'abord sauter les mines, ensuite il y a cet ennemi-là qui est là, en plus les karatékas qui arrivent, enfin bref, ça peut devenir très très compliqué, alors que là on voit que je suis uniquement au stage 6, mais c'est parce que je maîtrise bien la gestion des armes. Oui, d'accord. Pour bien s'en rendre compte, il faut y avoir joué, hein, tout simplement. Oui, oui. Moi, je sais qu'à mon époque, en arcade, je l'ai beaucoup squatté. Et quand je dis squatté, je jouais pas seulement, je regardais aussi beaucoup de joueurs jouer et je n'ai jamais vu personne finir le premier loop. On a vu le hurry-up. Hein. Voilà, donc là, on avait accompagné d'une petite sirène. Voilà, donc là, ça m'indique que dans 15 secondes, je vais mourir. D'accord. C'est clair. Là, sur le niveau stage 2, c'est uniquement sur le stage 2 qu'on le voit, non ? Enfin, tu le vois dans cette partie. Ouais, c'est vrai que je prends peut-être un peu plus mon temps sur ce stage 2, ou peut-être que c'est tout simplement le temps limite qui est alloué par rapport à ce stage qui fait que c'est peut-être un peu plus dur, mais. Ouais, donc là, on voit que.
ben, ça va être un peu plus compliqué là, toujours. Donc là, on va voir qu'il y a deux vagues d'ennemis en suivant de karatéka là, on va voir. Ouais. Donc là, là, à partir de ce stage là, c'est deux vagues d'ennemis en suivant. Comme voilà, des ennemis qui sont pas dangereux. Et après, c'est deux vagues d'ennemis karatéka. Donc là, ça commence déjà à être un peu plus dur. Et on voit là celui qui est la mitrailleuse là. Il te tire dessus. Faut pas le laisser en vie trop longtemps. Hein, parce que je sais pas si t'imagines, avec les karatéka qui arrivent, faut quand même sauter pour les tuer. Oui, il faut bouger obligatoirement. Voilà, et si lui il te tire dessus en même temps, bah tu gères pas grand chose. Oui, parce que quand tu tires dessus, t'es obligé de t'arranger. Voilà, donc t'as une chance sur deux de. Ouais. Faire tuer. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé du système, enfin du maniement du jeu. Ça se passe comment Alors, c'est un jeu qui se joue avec deux boutons. Donc, le premier bouton, c'est le couteau, hein, tout simplement. Mmh. Et le second bouton, c'est les armes. Donc, à partir du moment où on récupère une arme, là, par exemple, on voit que j'ai la grenade. Voilà, c'est l'utilisation d'une arme. Donc, il faut savoir que pour sauter, il faut utiliser le stick en fait. Utiliser si on veut sauter à la verticale. Voilà, si on veut sauter à la verticale, il faut aller vers le haut. Mais bon, si on veut sauter en allant vers l'avant en même temps, il faut aller en diagonale, quoi. Et c'est pas forcément, c'est pas aussi facile à gérer au premier abord qu'un jeu où on a un bouton pour sauter. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est beaucoup plus compliqué qu'un jeu de plateforme. Ouais, voilà. D'accord, et d'autant plus que visiblement le saut, une fois qu'il est lancé, tu peux plus l'arrêter, quoi. Voilà, tu peux pas du tout gérer, comme dans certains jeux on peut faire, la trajectoire du saut. C'est vrai que dans pas mal de jeux de plateforme, on peut gérer la trajectoire. Par exemple, sauter à la verticale et puis, juste avant de retomber, partir un peu sur la droite. Ouais, pour ajuster le saut. Voilà, pour vraiment être beaucoup plus précis. Là, on peut pas. Ouais. Une fois qu'on a sauté, une fois que la trajectoire est partie, d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus réaliste que de changer de direction pendant la trajectoire du saut. On peut plus changer. Donc, c'est vrai que le moindre saut, à la limite, devient beaucoup plus dangereux. Oui. Donc, le fait de avoir affaire à des sauteurs comme ça, à des karatékas, là, c'est vraiment c'est ça qui complique. Hein. Ouais, c'est ça. Par exemple, on voit le karatéka qui arrive par derrière. C'est pareil, là, cet ennemi-là, ouais. Bon, c'est un ennemi fixe. Il arrive toujours par derrière à cet endroit-là du jeu. Hein, à la différence de ces trois-là là, qui arrivent par vague, en fait. Ouais. Et donc, du coup, là, quand on te voit sauter vers l'avant, choper une échelle, t'accroupir, tout ça, c'est fait au stick. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que de faire ça avec un bouton. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'on peut. On peut presque tricher hein, par rapport au gameplay qui a été donné par les programmeurs. Il suffit de recâbler un bouton à la place du saut et puis jouer au jeu avec un troisième bouton qui te permettrait de sauter. Hein. C'est tout à fait gérable. Hein. Alors là, on voit par exemple qu'il y avait deux karatékas là, qui arrivaient, deux karatékas qui étaient fixes et qui arrivaient par la droite. Donc j'ai attendu d'avoir une vague d'ennemis de karatékas pour passer en dessous. Là, on voit bien d'ailleurs que la technique à utiliser pour passer en dessous fonctionne bien. Des ennemis. Mais bon, ça. C'est pas évident, hein, parce qu'il faut pas s'arrêter. Hein. Oui, là, oui. Par exemple, on voit qu'avec la mine, j'ai failli me faire avoir. Ouais. Hein, j'ai failli retomber sur la mine un petit peu trop vite. Ouais, donc voilà, on voit qu'il y a une mine. Je vais l'utiliser. Je pense que je vais pas. Voilà, là, je passe. Puisque je veux pas la détruire pour pas gâcher. Ouais, de munitions. Bah, attention qu'on n'avait pas. Ouais, ouais, c'est vrai que je croyais que j'en avais encore une, mais là, j'en avais plus. Tant qu'à sauter, autant le faire quand c'est les karatéka qui arrivent. Là, on voit que là j'attends. Pourquoi? Parce que voilà, déjà il y a un lanceur de roquettes là qui arrive, et surtout il y a ces deux ennemis là qui sont très galères, parce que là en fait je leur laisse pas le temps, mais c'est des lanceurs de grenades en fait. D'accord. Donc si on est sur la même plateforme qu'eux, ils te balancent des grenades. Donc c'est vraiment important de faire avancer le scrolling en étant sur la plateforme du dessous par rapport à l'endroit où ils arrivent en fait, hein, pour les faire descendre. Du deuxième niveau, enfin du premier niveau, ouais. Qu'ils arrivent jusqu'à toi et sans que ce soit dangereux, sans qu'ils aient le temps. Et pouvoir les dérouler quand ils sont sur l'échelle. Voilà, sans qu'ils aient le temps en fait de balancer leur grenade. Donc c'est pour ça, tout ça, ça a l'air facile. C'est vrai que quand on regarde comme ça la vidéo, on se dit bon, ouais, c'est pas compliqué, mais je peux te dire que j'en ai quand même bien chié quoi, pour arriver à bien comprendre les patterns, à bien analyser. J'ai mis du temps hein, pour bien jouer à ce jeu là-bas. Faut quand même savoir que c'est un jeu déjà que je connaissais bien à l'époque où il est sorti. J'ai beaucoup joué en arcade. Mm-hmm. Enfin,
mon niveau de jeu était dérisoire, parce que je te dis, j'arrivais même pas à faire le premier loop. Mais même par la suite, quand j'ai commencé à y rejouer il y a quelques années en émulation, puis après j'ai acheté la PCB, non, j'étais pas, je faisais le premier loop, quoi, c'est tout. Je m'arrêtais au second loop, hein, c'est-à-dire que j'arrivais même pas à cet endroit-là. Et puis c'est vrai que, bon, je me suis donné les moyens, j'ai analysé un super play d'un joueur japonais qui bloquait le compteur, et là j'ai vraiment été fasciné, quoi. Fasciné par le côté stratégique, quoi. Oui. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire beaucoup mieux, quoi. Parce que c'est vrai que faire un loop du jeu, c'est pas trop compliqué. Je pense que n'importe quel joueur qui aime jouer à ce genre de jeu finira forcément à faire un loop. Évidemment, il faut beaucoup d'entraînement, parce que le quatrième niveau est quand même bien difficile. Ouais. Mais là, on voit pareil. Là, on voit que j'ai encore une fois attendu les deux ennemis fixes, hein, qui arrivent à ce moment-là. Ouais. Pour bien passer en dessous. Mais c'est vrai que non, bloquer le compteur, c'est assez fastidieux. Hein, quand même. D'ailleurs là, on était à 375 000. Ouais. Et on va passer tout de suite. Ouais. On va avancer au loop qui nous intéresse. Voilà, au loop en fait. Déjà qui nous montre que la difficulté est maximale. Ouais. Et puis ensuite le loop qui sur lequel j'arrive à bloquer le compteur, c'est-à-dire j'arrive à faire le score d'un million. Ok, on va faire une petite avance rapide. Là, on est dans le même stage, entre guillemets, le quatrième, sauf qu'on est au loop 5. Loop 5. On voit stage 20. Donc, on va constater le changement de difficulté. Ouais, on voit que mon score a bien augmenté, évidemment. Mais on voit aussi que mon stock de vie a un peu baissé. comme je le disais tout à l'heure, à partir du stage 11, la difficulté en fait est maximale. C'est-à-dire que toutes les vagues d'ennemis qui arrivent sont des karatékas, des sauteurs comme ça. Ah ouais. Donc les quelques ennemis qui arrivent encore et qui ne sont pas armés, en fait c'est des ennemis fixes, hein, et il n'y en a plus beaucoup en fait dans le jeu. Ouais. Donc là c'est le passage dur. Voilà, là c'est le passage le plus dur. Là on voit un karatéka qui arrive par derrière, là on voit celui qui mitrailleuse là qui me... Voilà, donc là on voit que ça c'est vraiment, là je pars vraiment au bon moment. Hein, là je fais exprès de passer en dessous des ennemis parce que je sais que en faisant ça tous les ennemis vont passer au-dessus de moi et j'aurai le temps de tuer le lanceur de grenades avec le couteau. Parce que là je fais vraiment exprès de garder. Voilà, parce que là je veux absolument garder mon lance-roquette pour détruire le prochain porteur d'armes. Parce que là c'est vraiment un endroit très très chaud et j'ai absolument besoin de mes armes pour passer, quoi. D'ailleurs là on voit que quand même je passe beaucoup en dessous des ennemis. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup de temps pour gonfler son score. Là on voit d'ailleurs que le troisième ennemi, là je ne l'ai pas eu. Oui. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué à partir de là. Mais bon, là j'ai passé l'endroit, on va dire, qui est le plus difficile du jeu. L'endroit critique. Même si là je me fais encore tuer, c'est pas dramatique parce que là je vais revenir à un checkpoint c'est jouable. C'était l'endroit précédent là qu'on a commenté où j'ai fait exprès de garder ma roquette là vraiment le plus longtemps possible. C'est vraiment cet endroit-là le plus dur du jeu parce que si on meurt à cet endroit-là, je donne pas cher de ma peau pour continuer. J'ai au moins une chance sur deux d'être game over. D'accord. Quel que soit le nombre de vies, hein, même s'il me reste 6 ou 7 vies, c'est très 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 difficile de passer ce passage-là sans arme. Franchement, j'ai dû le faire une fois ou deux. Là on voit à la fin d'un loop, là je délivre des prisonniers, probablement américains d'ailleurs, parce que j'ai le droit à l'hymne américain. Oui, on a un hymne différent. Ouais. Je sais pas si c'est un hymne différent, je connais pas tous les hymnes. Peut-être que c'est des hymnes différents, parce que je sais que la fin du deuxième niveau, on a le droit à la Marseillaise, donc ça je connais. Mais sinon les autres, je connais pas les hymnes. Mais c'est peut-être des hymnes
artificielle, je sais pas. D'accord. Le message de la fin du jeu est assez génial quand même. Ouais. Ah, ça encourage. Hein. On fait un autre camp. Ça encourage vraiment, on a vraiment envie de continuer. On n'a même pas le droit à une félicitation, c'est vrai. On n'a même pas un bonus de points. Non, puis la carotte un peu pour dire faites le loop d'après est complètement stupide. Quoi. C'est un peu comme si tu refaisais un niveau en boucle. Quoi. Ouais. Je trouve ça assez rigolo. Ah, bah, ça fait partie de la plupart de ces jeux de l'époque en arcade hein, qui n'avaient pas de fin. Hein. C'est des jeux qui n'ont pas de fin. Hein. C'est comme, je sais pas, Gradius. Gradius, c'est un jeu qui n'a pas de fin. Hein. Bon, on n'a même pas de générique de fin d'ailleurs. Dans Gradius, une fois qu'on termine. Même dans Shinobi, hein, un petit game over. Ouais. Voilà, donc là, on voit que c'est compliqué. C'est justement très compliqué à cause du lanceur de grenade. Et parce que derrière, on voit qu'en plus, il y a une mitrailleuse, enfin un soldat avec une mitraillette qui arrive. Voilà, là on voit qu'il y en a un deuxième, donc c'est très compliqué. Et là, si j'ai pas une arme, je suis foutu là. D'accord. Je suis foutu parce que j'ai les karatékas qui arrivent, j'ai. Voilà, là aussi, hein, on le voit. Ouais. J'ai le soldat avec la mitraillette qui arrive et on voit en plus que ceux qui arrivent par devant tirent beaucoup plus rapidement que ceux qui arrivent par derrière. D'accord. Donc c'est quasi injouable si on n'est pas armé. Donc là, c'est pareil, hein. Là, si je perds ma vie, quasiment game over parce que je reviens à un checkpoint qui ne me permet pas de récupérer l'arme. Donc il faudra attendre cet endroit-là pour récupérer un porteur d'armes. Il faut survivre jusque-là. Quoi. Ouais. Donc là on voit que j'utilise vraiment toute l'architecture là, du niveau avec les camions. Là tu vois, je fais exprès de faire passer des karatékas au-dessus pendant que je suis en dessous, ou des fois je fais l'inverse. Là c'est vraiment compliqué. Qu'ils arrivent, en fait les vagues d'ennemis automatiques elles arrivent sur le niveau auquel tu es. Voilà, si je suis au premier niveau, si je suis sur le toit du camion, ils arrivent sur le toit du camion, si je descends, ils arrivent pas en dessous. Donc, d'ailleurs, quand tu es en train de descendre, on voit la vague d'ennemis qui se. Des fois, ouais, on a un ennemi qui arrive en haut et si je suis en bas. Quoi. Et les deux en bas. Ouais. Ça arrive. Ouais, c'est bien pensé. Programmeurs ont pensé à tout. Oui, voilà. Ils n'ont pas oublié. Alors, on voit des fois qu'il y a. Des fois, il y a une petite incertitude. Là, on voit par exemple que les trois ennemis sont quand même assez proches les uns des autres. Et puis, des fois, tu as un petit écart. Oui. Des fois, tu as le premier ou le dernier qui est un petit peu plus éloigné des autres. Donc, pour tuer les trois au couteau, des fois, c'est vraiment pas évident. Quoi. Tiens, oui, t'as que deux lance-flammes. Je tue le premier, donc comme ça, je veux être sûr de pouvoir. Terminer tout lance-flammes. Voilà, tout au lance-flammes. Là, on voit que 980 500, je suis vraiment plus très très loin. Ah ouais. Donc là, en vrai, tu joues depuis combien de temps? Voilà, je suis à 1h10, 1h15, hein, facile. Hein. Donc, pour bloquer le compteur, il faut c'est vrai, environ 1h30, quoi. 1h20, 1h30. D'accord. Après, tout dépend comment on score dans les loops très élevés. Hein, parce que là, c'est vrai que je pourrais, par exemple, passer tous les ennemis. Là, je pourrais. Là, on voit que ceux-là, je les tue, mais je pourrais passer en dessous, quoi. Je pourrais continuer à passer sans chercher à faire du scoring. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'éterniser. Donc, c'est pas le genre de jeu où j'ai vraiment envie de jouer pendant 3 heures. Je cherche quand même à gagner un peu de temps. Ouais, mon objectif, c'est vrai que c'est de scorer, mais c'est de scorer le plus vite possible, quoi. Parce que. Tendance à dire plus c'est long, plus c'est bon, mais bon, là, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le cas quand même, quoi. Surtout que là, je vois quand même qu'il me reste que 3 vies, quoi. Là on n'a pas vu, mais il y a un moment où j'ai quand même un gros stock de vies, j'ai au moins 8 vies, quoi, 8 vies en stock. Ouais. Et t'as tout perdu, quoi. Voilà, c'est vraiment pas. Non, ça peut aller très très vite. Peut aller très très vite. Tout, exactement comme dans les shooting games avec les shooting games qui offrent un armement évolutif et où on perd tout quand on perd une vie, quoi. Et ces jeux-là, c'est très très cruel, hein. Franchement. Ouais, avec le temps, j'ai de plus en plus de mal à jouer à ces jeux-là. Ah oui, d'accord. Vraiment, bon, encore ce jeu-là, ça va parce qu'il n'y a que un ou deux endroits où vraiment, si on perd une vie, on a assez peu de chances de récupérer. Là, on voit que c'est juste. Hein, les trois, le saut, là, on voit qu'il y a un petit décalage avec le troisième ennemi. D'ailleurs, ça y est. Hein. Oui, alors on voit que d'ailleurs le chiffre, hein, comme tu disais, me semblait bien, parce que j'ai fait quand même le super play il y a un petit moment, il y a plus d'un an, donc j'ai pas eu le temps de revoir, mais il me semblait bien que le chiffre d'unité passait à 9 au moment du blocage du compteur. Alors qu'aucun ennemi donne des. Oui, aucun ennemi donne 9 points. Des points par unité, Donc c'est un peu étrange. Ouais. Et donc là, tu continues à jouer?
Bah oui, là je continue à jouer. Je sais que la plupart des joueurs, ce genre de jeu arrête. Ouais. C'est-à-dire se suicide, parce que c'est vraiment le score. Ouais. Mais bon, oui, là après, bah oui, hein, là, moi j'ai envie de voir un peu jusqu'à quel niveau je peux aller. Je crois qu'une fois j'avais dû aller, parce que je l'ai fait deux fois, hein, le blocage de compteur, et je crois qu'une fois j'avais dû aller, j'ai dû monter au 27, niveau 27 ou 28, je crois. Là, sur cette partie-là, je ne veux pas aller aussi loin, mais. Bon, bah après oui, ça peut être un objectif. D'accord. Et Là, alors là, on voit que je tue les chiens, hein, qui me ramènent pas beaucoup de points. Enfin si, ils me ramènent. Oui, non, c'est les chiens, ils me ramènent 200 points. On voit encore le hurry up avec la sirène, ouais, qui me indique que je suis limite au niveau du temps. Oui, donc je disais, les chiens ramènent 200 points et le maître chien là ne ramène que 40 points. Donc, c'est marrant. Mais tous les ennemis dans le jeu, ils valent entre 200, 300, 350 points. Celui-là, il vaut 40. C'est le boss, quoi. Oui, oui. Après, il y a le boss du troisième stage avec les hélicoptères là, qui ramène 40 points aussi. Donc, c'est marrant, ça. Un peu dérisoire, mais. Voilà, donc là, on voit que je commence à aller chercher le porteur d'armes là, dès le début du jeu. Alors là, un niveau avec une architecture bien compliquée, parce que beaucoup de lanceurs de grenades, beaucoup de mines. Et le problème, c'est que à partir du moment où il y a un lanceur de grenades, je ne peux pas passer au-dessus. Enfin, je veux dire, je peux pas. Oui, tu peux pas aller sur le niveau. Voilà, aller sur l'étage supérieur et passer, parce que le lanceur de grenades envoie des grenades de manière continue. Alors avec des ennemis qui arrivent de manière constante, ça c'est quasiment injouable, quoi. Ça c'est vraiment, c'est juste là. Donc là, faut, encore une fois, faut vraiment bien gérer l'arme, enfin son armement, et bien gérer les deux étages, quoi. Réussir à monter au bon moment. C'est juste là. Là on voit d'ailleurs que le fait de que les ennemis là, qui se mettent à tirer derrière, c'est un handicap, parce que c'est pas un handicap dans le sens où c'est dur d'éviter leurs balles, il suffit de se baisser, oui. Mais pendant ce temps-là, t'as les ennemis qui arrivent, ouais, et qui te sautent dessus. Donc par rapport au premier loop, par exemple, les ennemis qui arrivent, ils te sautent pas dessus, donc là, il suffit de se baisser là, mm-hmm. et de tirer sur les ennemis en même temps qui arrivent, oui, voilà, qui arrivent par la droite. Mais ouais. Tandis que là, on peut pas. C'est vraiment ça qui augmente la difficulté du jeu. Moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer sérieusement à ce jeu-là, en aucun cas j'arrivais à passer le deuxième loop, parce qu'à partir du second loop, t'avais des vagues d'ennemis comme ça, des karatékas qui arrivent, je comprenais pas, quoi. Et c'est vrai que la grosse astuce que j'ai comprise du jour au lendemain, c'est le fait qu'on pouvait passer en dessous, quoi. Voilà. Ouais. Ça, cette astuce-là, j'ai mis énormément de temps à comprendre ça. Ça paraît simple comme ça, c'est évident, mais jamais, pendant des années, je me suis imaginé que on pouvait courir et passer en dessous de ces ennemis-là. Parce que là, en fait, tu t'es inspiré d'un super play. Bah oui. Du moment où tu as voulu faire ce truc, mais. Ça a mis combien de temps? Enfin. Je me suis entraîné dessus, je te dis, pendant plus d'un mois. Hein. Plus d'un mois. Plus d'un mois. Et encore, je suis pas non plus extrêmement doué. J'ai joué avec sous émulation, avec MAM, avec les sauvegardes. Ah oui, d'accord. Tout change de ton côté. En fait, ce qui est bien avec MAM, c'est que tu peux te mettre toi-même des checkpoints, quoi. Mm-hmm. Tu te mets toi-même des checkpoints, ouais. tu retravailles les endroits du jeu, avec armes, sans armes, pour voir un peu si c'est faisable, si c'est pas faisable. Ah ouais, non, c'est. Par exemple, ce passage-là. C'est une énorme complexité. Et là, on voit que là, normalement, à cet endroit-là, il me reste une grenade. Et là, j'avais balancé mes trois grenades. Bon, ben voilà, quoi. Donc, ça n'a pas raté. Hein. Ouais. Le scoreboard avec un petit thème musical assez sympa, un petit jingle, c'est sympa. Ok, ben, merci Ben. Ben merci à toi, merci. Et tu t'amuses à bloquer le compteur sur d'autres jeux comme ça? Tu l'avais fait sur Bubble Bobble? Ouais, Bubble Bobble, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai encore fait
Bah, j'aimerais bien faire, j'aimerais bien bloquer le compteur sur un jeu qui est assez similaire. Gun Beret, c'est Kung Fu Master. Ouais. Donc, je pense plus vieux encore. Un peu plus vieux, ouais, mais sur le principe, c'est le même, quoi. Ouais. C'est du scrolling, scrolling fighter, on appelle ça. Ouais. Bah, c'est pas du jeu de combat, mais en même temps, c'est pas non plus des jeux de plateforme. Donc, et c'est vraiment le même principe. D'accord. Donc, je pense que j'essaierai de bloquer le compteur prochainement sur ce jeu. Ok. Eh ben, à une prochaine alors, peut-être pour Kung Fu Master. Prochaine émission, voilà. Je reviendrai pour un Kung Fu Master. Merci Ben. Merci à toi.